Sandrine Kaffer, bonjour. Bonjour Olivier-Anne. Alors, vous êtes la rédactrice en chef d'un site sur la gastronomie alsacienne qui cartonne dans notre région. Est-ce que cette folie de la bouffe continue à progresser? Il y a une demande, il y a de l'audience. C'est vrai que c'est un petit peu dans l'air du temps, mais c'est une thématique très agréable et qui intéresse tout le monde. Donc on a de la chance, on se fait plaisir et puis. Et on approche des professionnels compétents et talentueux. C'est un vrai joli domaine de journalisme. Alors, est-ce que la gastronomie alsacienne, sur laquelle vous avez un regard global, est en progression ou en baisse? On a l'impression qu'il y a moins d'étoiles, mais peut-être que la moyenne, elle, progresse. Alors, revenir sur le jugement des étoiles Michelin, c'est pas de mon ressort. Par contre, c'est. La gastronomie, non. En plus, elle vient d'être classée. Le repas des Français vient d'être classé comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Donc, je pense qu'on augmente en qualité. En ce moment, il y a le concours de meilleur ouvrier de France. C'est un concours qui fait vraiment rêver. Il y a plein d'émissions culinaires, même la vôtre, Chef à bord. Et c'est vraiment. Il y a une demande et il y a de l'attente. Et puis, il y a une part de rêve. Et puis, c'est très qualitatif. Alors, les grandes tendances, on y revient. En Alsace, est-ce que la cuisine de terroir est encore courue dans notre région, ou est-ce que, comme partout ailleurs, il y aura bientôt plus que des sushis? Non, la cuisine traditionnelle et le terroir, les classiques régionaux resteront, font partie des racines d'une région et de sa culture. Et en Alsace, les Wienstube fonctionneront toujours de la même manière, je pense. Ça fait partie de nos traditions et de nos racines et on aime. Alors, dans les Wienstube, tout de même, on a une tendance à revisiter le terroir, à l'alléger. Vous avez remarqué ça partout, ou c'est nous, dans un certain milieu, qui avons cette illusion-là? Je ne sais pas si j'ai la réponse. C'est vrai que certains chefs revisitent le terroir et la tradition, peut-être cherchent à innover, marier la tradition à l'innovation. Peut-être que ça fait partie du jeu de recherche culinaire et ils ont envie de réinterpréter le terroir, mais on peut toujours manger de bonnes choucroutes, de bons plats de Bäckerhof dans des belles maisons traditionnelles alsaciennes. Alors, autre paradoxe, les gens, on parle tout le temps de la malbouffe et des plats surgelés, et pourtant les cours de cuisine, eux aussi, ont le vent en poupe. Alors, est-ce que les gens cuisinent plus ou plus rarement, mais mieux? Ils ont envie d'apprendre en tout cas, et ils ont envie de bien manger. Est-ce qu'ils le font réellement chez eux? C'est une question qui reste à élucider. Et sans doute aussi les tendances des émissions culinaires télévisuelles incitent aussi à apprendre. Sans doute, ça donne envie. Il y a des écoles de cuisine qui ouvrent et qui fonctionnent plutôt bien. Il y a des chefs de cuisine aussi qui donnent des cours de cuisine. Donc il y a une demande. Est-ce qu'un chef est forcément un bon pédagogue, ou est-ce qu'il vaut mieux aller dans une école où les gens ont été formés pour vous apprendre? Les deux sont une belle possibilité. Le chef est un transmetteur déjà au sein de sa brigade et forme ses apprentis, donc on espère qu'il a de la pédagogie. Et c'est évidemment l'enseignant sera très pédagogue, mais ce qui vous emportera vers les techniques culinaires que vous recherchez? Alors, quand on parle de chef, on a quelques noms qui viennent à l'esprit, et pas forcément des Alsaciens. Est-ce que vous en voyez quelques-uns qui vont devenir des stars dans les prochains mois ou les prochaines années? Il faut aimer la médiatisation aussi, parce que ça fait partie du jeu du star system. C'est être aussi un bon client média, je pense. Au-delà d'aucune remise en question de compétences culinaires. Hein. Il faut aussi avoir envie de sortir de sa cuisine et de promouvoir ce qu'on fait, d'avoir envie de le partager. Et ensuite, il y a un véritable échange qui se fait et il y a une activité journalistique. Après, je pense qu'on rentre dans un processus. Et vous ne voulez pas donner de nom de chef que vous verriez bien devenir star dans les prochaines années? Il y en a quelques-uns, mais je ne m'avancerai pas.